poser. Et c'est pour ça que j'ai pensé et je souhaite que ce soit l'occasion pour qu'on fasse une mise au point sur l'intérêt de ce tournoi. Le club est de plus en plus cher, surtout que les partenaires ne suivent plus. Il y a même des gens qui ont fait des promesses et qui ne les ont pas tenues. Et pour moi, une promesse, c'est une dette. Donc elle est considérée comme une dette jusqu'à présent. Donc, sous la direction de Mme Ziyeli, qui est à son quatrième tournoi d'avenir, malheureusement, le premier s'est pas terminé parce qu'il y avait la crise Covid. Le deuxième n'a pas eu lieu. Mais le troisième était un succès retentissant d'après les observateurs. Donc c'est pour ça que Mme Ziyadi a repris la direction de ce tournoi avec l'appui d'une commission d'organisation. Cette commission d'organisation, c'est tout le comité qui travaille dans la discrétion, l'efficacité, donc sans bruit. Actuellement, donc, on est à l'ouverture par la conférence de presse et je pense que le reste va venir avec les questions, avec le nom de Mme Ziyeli. Ce qu'il faut retenir de ce tournoi, et que je crois que c'est une première, il y a 3 ou 4 juniors marocains qui sont rentrés directement dans le tableau final. Un grand bravo à ces jeunes, à leurs parents, à la Fédération Royale Marocaine de Tennis. Ils sont là. Certains par... On ne les a pas cités, on ne les a pas pris en photo, par oubli. En particulier, Menen Masseri, qui est 3e dans le classement marocain. Je crois que je ne vais pas trop parler, c'est déjà fait. Et je passe la parole à M. Zouhir, représentant de la fédération, vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Tennis, et en même temps président du comité directeur du RICA. Donc merci, bienvenue aux présidents des différents clubs de Casablanca, à tous les journalistes représentants, au président d'honneur du COC Tennis, dont j'espère qu'ils vont prendre la parole pour renforcer un peu ce que j'ai dit, peut-être. C'est pas toujours du vrai. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tout le monde. Au nom de mes amis et mes amis de la Fédération et au nom du de son Président, je tiens à féliciter le COC et ses hommes qui ont persévéré et qui ont pérennisé ce tournoi. C'est grâce à ce tournoi que beaucoup de Marocains ont pu partir à l'étranger, faire des études, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada qu'en Europe. Et je tiens surtout à féliciter les anciens qui ont donné le coup de départ de ce tournoi, en l'occurrence M. Mrabat, M. Fizazi, M. Amlah, et la continuité. Et maintenant, je tiens à féliciter... Je tiens à féliciter le comité actuel avec son président qui fait le maximum. Moi, je vois de loin. Et il a permis de reprendre avec le RUC la chaleur d'autrefois. Et pour ne pas vous cacher, même en rugby, la semaine dernière, c'était dimanche dernier, on a fêté le RUC, le COC et un club toulousain. On a fait une grande soirée pour l'honneur du sport et pour l'honneur du RIC et du COC. Merci. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je souhaite féliciter toutes les femmes à cette occasion aujourd'hui, on est le 8 mars.
Donc, il fallait quand même faire un peu de point. Et d'ailleurs, je souhaite par ce point-là remercier en fait le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que la Fédération royale marocaine de tennis, qui a exigé à ce que dans les statuts des clubs de tennis, il y ait un minimum de 3 femmes. Et je peux vous dire que le COC a honoré, et aujourd'hui, on est 3 femmes dans ce comité. Voilà, merci. Pour parler un peu du déroulement de ce tournoi, donc comme vous le savez, c'est une 35e édition. On est fiers aujourd'hui de l'organiser. Ça va se faire la semaine du 11 au 18. Et notre fierté aujourd'hui, c'est qu'il y a des Marocains participants qui rentrent dans le tableau final, que je souhaite féliciter. Ils sont quelques-uns parmi nous. Je vous demande de les applaudir parce que c'est vraiment... ils ont fait de très très bons... résultats ces derniers temps qui leur a permis de rentrer directement dans le tableau final. Je ne vais pas les citer un par un, mais je peux vous dire qu'on est très très fiers d'eux aujourd'hui. Ils vont représenter le Maroc. On sera derrière eux, on fera tout pour qu'ils le représentent comme ils le font d'habitude, avec beaucoup d'esprit sportif et de courage. Donc, bienvenue à nos champions parmi nous. Et en dernier lieu, donc, je souhaite remercier nos sponsors et nos partenaires de nous faire confiance et de pouvoir nous donner un coup de main afin de faire vivre et faire réussir un événement pareil que je souhaite... on est les seuls, malheureusement, c'est le seul grade 1 au niveau du Maroc, au niveau national. Et pourquoi pas, on peut trouver un minimum de 5 ou 10 dans le royaume pour permettre à nos joueurs de leur donner la chance de jouer dans leur pays et de nous faire rêver et faire vivre des moments de joie et de bonheur. Ben voilà, merci et bienvenue. Champion de Paris, moi je disais. Champion d'Afrique, moins 18 ans, le l'accent. Salut, je m'appelle Sophia, j'ai 15 ans et mon R14 c'était 500. Bonjour, je m'appelle Aya Laouni, j'ai 17 ans, je suis classée 33e et vice-championne d'Afrique. Vice-championne d'Afrique de l'AXA. Bonjour, je m'appelle Camélia, mon meilleur classement c'est 900. Camélia Haddad. Bonjour, je m'appelle Lara Farage, je suis du COC, je suis classée 27 ITF 4 U14 et je suis championne du Maroc national U12. Du COC. Lina Mouchrek, j'ai un classement 35 ITF 4 et je suis du COC. Donc il y a des absents qui sont sans feu tournoi. Il y a Benani Karim du COC, il y a Manal Nassari du COC, de Mohamed Diab, Stade Marocain. Marocain. Et Malak Al-Alami, bien sûr, vous connaissez, champion d'Afrique, et qui est actuellement à l'ITF grade 2 en Espagne, et qui vont tous nous rejoindre la fin de semaine pour ce tournoi. Donc, disons, à l'aune de cette 35e édition, c'est de fêter.